Une fois dans la conscience de Krishna, qu'on a compris, qu'on comprend cette philosophie-là, on n'est plus affecté par les misères de ce monde. Okay? Les misères de ce monde, on comprend qu'elles sont temporaires, qu'elles ne durent pas, c'est pas la réalité. La vie dans laquelle nous sommes présentement n'est pas la réalité quand nous en prendrons une autre. Et nous en avons pris d'autres antérieurement que nous avons tous oubliés. Okay? Nous avons tous oublié toutes les joies qu'on a subies dans les vies passées, sont oubliés complètement dans cette vie ici présente. Et dans la prochaine vie, cette vie sera oubliée. C'est comme un rêve. Nous sommes dans un rêve. Enfin, c'est ça. C'est comme on va dormir, on a des rêves, on les oublie ou on peut s'en rappeler. Mais en fait, on comprend dans la conscience de Krishna que les vies que nous vivons présentement sont temporaires, elles ne durent pas et qu'il faut sortir, prendre une vie qui est éternelle, qui est la conscience de Krishna en compagnie de Krishna. Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.